trouver la vie éternelle des fleurs. Mon rêve. Si j'étais pas pignon, pour moi, quel tourbillon, je butinerais la pâquerette, le bon pétunia, le bleu violette. Allons, éliserons jusqu'au poteau d'Adron. Je m'arrêterai près de la rose qui fraîche et close serait ma chose. J'aurai son secret sans aucune prétention si j'étais pas papa. Si la vie des fleurs était éphémère, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de les laisser sur terre, l'y faire comme l'été. C'est pourquoi je rêve nuit et jour à celle qui fleurira toujours. Si je n'ai pas pignon, pour moi quel tourbillon, tout en nettoyant la marguerite. Je loucherai vers la clématite, je fuirai chaton, la donne les boutons. Je chercherai la fleur la plus belle, d'un petit coup d'aile, j'irai vers elle. Et je suis bien sûr qu'elle me dirait pas non, si je vois son papillon. Si j'étais fin, si j'étais petit, si j'étais young, fin, petit, young. Eh bien, Vincent, ça ne marche pas. Écoutez, patron, je cherche la vie éternelle des fleurs et j'aboutis toujours à la formule de la dynamite. Console-toi, moi ça marche. Je crois que dans quelques jours, je tiendrai le brasier. Tu t'en fous? Non, patron, je ne veux pas vous blesser. Scientifiquement, le basil, c'est très beau. Ouais. Mais après. Oui, le fameux basil, qui a la propriété de transformer l'argile en un excellent combustible d'un prix de revient pratiquement nul. Le basil qui signifiait la mort des mines de charbon, dont je n'ai pas à vous rappeler, messieurs, la place qu'elles occupent dans nos spéculations. Nous avons fait à cette époque une démarche auprès du professeur Arnold, qui eut la sagesse de se rallier à notre point de vue. Le basil ne vit pas le jour. Et depuis, le professeur Arnold est attaché à la transocéanique à titre de conseiller technique. Si je vous ai convoqué aujourd'hui de toute urgence, c'est justement à la suite d'une très grave communication que m'a faite le professeur Arnold. Communication qu'il va d'ailleurs répéter devant vous. Professeur, je vous en prie. J'ai souhait fixé dans cette ville. À cause le savant Moucherotte. 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 6 heures. Et alors? Professeur Moucherotte, ne vous faites pas plus distrait que vous n'êtes. Vous savez ce qu'a dit le docteur. 2 heures avant le dîner, détente complète. Température. Ah, c'est bien le moment de se reposer. Mais voyons, pense, Vincent, que j'ai isolé le benzonaphtomanganèse. Avec un nom pareil? C'est bien fait pour lui. Le basil. Le basil attendra. L'Ivarol. Ah, mon bon l'Ivarol. Votre commanditaire, il attendra. Oh, Vincent, tu es un bourreau. Non, un poète. Moucherotte doit trouver la formule du basil rapidement. Quelques jours. Et peut-être quelques heures. Vous avez entendu, messieurs? Peut-être quelques heures. Je vous demande pardon. J'ai une idée. Faut-il, Moucherotte? Hein? Il n'y a qu'à l'accepter. Hein? Vous pensez bien, messieurs, que je n'ai pas attendu la dernière minute pour essayer de trouver un terrain d'entente avec ce monsieur Moucherotte. Et là, cette fois, nous avons affaire à un personnage intraitable. Ah oui, les offres, les avertissements même, rien n'y fait. Aussi, j'estime aujourd'hui que notre devoir est clair.
Il nous faut débarrasser l'équilibre économique de l'élément perturbateur que constitue le professeur Moucherot. Le professeur Bontag est en conférence. Fécondité comme la vôtre, c'est sans précédent dans les annales de la science, mais... Sans précédent. Oui, résumons-moi. Les trois principales inventions classiques de votre serviteur, le professeur Bontag, sont... Riemann, le carburex, le célèbre carburant de remplacement adopté par tous les véhicules lourds du monde entier, trouvé en 1926. Secondo, le glycol, l'ersatz idéal du sucre, trouvé en 1935. Et le fibrex, trouvé la même année. La même année? Quel cerveau, mais... Oui, quel cerveau, mais... Vous m'amusez beaucoup. Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous amusez le professeur Bontag? Hein? Parce que voyez-vous, mon enfant, toutes ces inventions, pour moi, ce sont des plaisanteries. Mais une découverte. Une découverte? Une découverte germe. Dans ce cerveau en ébullition. Une trouvaille titanesque. Les puissances modernes s'écroulant comme château de cartes. Bontag au carrefour de deux époques se dresse. Je vais repétrir de mes mains le visage de l'humanité. Comment? Ah, comment? Stop, petite fille, ne nous laissons pas griser. Vous ne m'arracherez pas un mot de plus. Oh, maître, maintenant tu... Non, ne pas se laisser fléchir. Se méfier des journalistes. Écrivez pas ça. Oh, mais toi, non. Dites que j'aboutirai bientôt. Le vieux va trouver la formule. C'est une question de jour. Oh, pardon. Mademoiselle René Lancel, journaliste. Journaliste. Mais je connais les reportages de Mademoiselle Lancel. Toujours sensationnel. La plaisanterie. Cher maître, je ne veux pas t'abuser de vous plus longtemps. Ne pas abuser, c'est un excellent principe. Bonsoir. Merci. Bonne nouvelle. Le vieux va bientôt trouver la formule, dites-vous. D'abord, parlez avec moins de familiarité. Ne dites pas le vieux, mais le professeur Moucherot, c'est un confrère. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il va bientôt tomber? Tenez, lisez la dernière note qu'il vient d'écrire sur son journal. Logiquement, plus rien ne s'est perdu, Basile. Et alors, logiquement, plus rien ne s'est perdu non plus. Mais s'il faut des années pour trouver une invention, il faut quelques minutes pour en copier la formule. Qu'est-ce que vous attendez? Filez, mon cher! Vous me prenez vraiment pour un parfait abruti. C'est vous qui déposerez la formule du Basile le premier. C'est moi qui vous le dis. Non, messieurs, j'ai votre approbation? Oui. Yes. Parfait. Monsieur Octave. Très bien, trapu, petit Louis, qu'ils se tiennent prêts. Oui, c'est pour bientôt. Entendu, je téléphonerai ce soir à l'endroit habituel. Dans son laboratoire, madame. Il travaille? Entre le faux concierge policier à la solde de Livarol, notre commanditaire, et la famille Noblet, je ne sais pas comment on arrive à travailler dans cette maison. Sans l'argent de Livarol. Attention, mon père, mon maître. Je n'aurais jamais pu poursuivre mes recherches. Du calme, votre température va monter. Et quant aux Noblet, ben, c'est moi qui suis chez eux depuis 15 ans. Et sans ces braves amis qui m'ont accueilli à la première heure, je n'aurais même pas pu démarrer. Oh, je ne dis plus rien, sinon le thermomètre va éclater, alors... Non, je ne vous donne pas l'interview de Bontag. Pourquoi? J'ai beaucoup mieux à vous offrir. Devinez? Un reportage chez sa nouvelle victime. Qui? Ah, voilà. C'est ce que j'espère vous dire bientôt. Attention, la chasse commence. Vite, suivez cette voiture! Que désirez-vous? Je suis reporter au journal de la journée, monsieur.
Monsieur le professeur ne reçoit pas les journalistes. Le professeur? Quel professeur? Oh, encore la formule de la dynamite. Oh, ce n'est pas exactement ce que je cherche. Enfin, maître, comment expliquez-vous ça? Chaque... Maître! Encore une syncope? Mais je vous explique. Mais il n'y a rien à expliquer. Allô? Allô, qui est là? C'est Vincent? Ouais? Une syncope? Oui, oui, le docteur. Mais on l'appelle tout de suite. Docteur Allard, bien entendu. Laissez-nous, Louise. Je servirai. Bien, Louise. Mais mon cher Noblet... Mais non, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut toujours écouter les docteurs. Alors, repos complet. Non, 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 pas de café pour le professeur. Le docteur l'a défendu. Comment peux-tu aussi catégoriquement donner raison au docteur, mon pauvre ami? Mais as-tu oublié ce qu'il nous prédisait pour nos enfants, les docteurs? À les entendre dire, Riquet devait devenir idiot à la suite de sa typhoïde. Ah, merci, charmant. Octave Léliqueur. Mais t'as raison, maman. T'as raison, les toubibs, tous des charlatans. Vous pouvez travailler, cher maître. C'est pas le travail qui tue. Non, c'est plutôt l'oisiveté. C'est vrai, maître. Demandez à mon frère. Ah, tu vas me lâcher, toi, oui? Vous deviendrez centenaire, maître. C'est Angélica qui vous le dit. Et moi, je dis, le docteur a été formel. Suspension immédiate de tous travaux. Vous ne toucherez plus une éprouvette, patron. C'est moi qui m'en charge. Voilà. Oui. Oh, excusez-moi. Il m'a semblé, enfin, je croyais, c'est-à-dire, je cherche. J'ai cru voir une silhouette dans le parc. Une silhouette? Oh, ce n'est peut-être qu'un chat. Un chat? Non, 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 pas de liqueur pour le professeur Octave. Le docteur l'a défendu. Pensez-vous, mon cher maître, que quelques jours vous suffiraient maintenant pour trouver la formule du Brésil? Peut-être quelques heures. Eh bien, Octave. Quelques heures. Ne serait-ce que quelques instants, rien à faire. Un petit fou. Volontiers. Allô? Allô, c'est quoi, petit Louis? Bon, pas de temps à perdre. Ce soir à minuit, la grille. Hein? Vous êtes prêts? On a des journées. Oui, le silencieux est braqué, mais Trappé est en train de l'arranger. Ah, vous en faites compte, après. On va, patron. Alors, tu te dégrouilles, oui? Doucement, hein? Tu vas voir qui marche, le silencieux. Oh, 7 dollars, c'est ça que t'appelles un silencieux, dis? Voilà. Eh bien, où allez-vous? Mais j'ai oublié.